Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission que j'ai baptisée, vous savez, avec Cité Radio, Eternal Sunshine. Alors, vous savez que depuis un an et demi, on a différentes thématiques hein, qui euh, qui viennent se faufiler dans cette émission, avec vraiment cette envie, vous le savez, de remettre aussi du positif, de l'optimisme, de l'invention, de l'envie en fait, et eh bien de contrecarrer tout ça. Et c'est pour ça que eh bien on a autour de notre table à chaque fois des, des personnes qui viennent voilà faire des propositions, donner l'envie bah, de se rassembler et de faire. Alors là, on a une J'irai une édition quand même spéciale pour vous, parce que vous savez que bientôt, hein, les dimanches et 15 et 22 mars prochains, vous serez donc dans un isoloir pour élire votre maire, ce qui n'est pas rien. Et là, on a une édition spéciale autour des candidats des municipales de Tours. Et donc, on a la chance aujourd'hui eh et bien d'inviter et d'avoir Claude Bourdin. Bonjour. Merci à vous d'être là, d'avoir répondu à Cité Radio. C'est un plaisir. Donc, en fait, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de vous découvrir, d'avoir en fait, euh, eh bien, euh, cette, cette euh, cet éclairage aussi sur bah, ce que vous êtes vous. Et puis, on parlera bien sûr de... Bah, des idées fortes hein, de votre programme. On aura des Tourangeaux, des gel qui vont aussi euh, eh bien, se mettre dans la peau d'un maire, c'est ce qu'on leur a demandé. Et donc, eh bien, ils ont lancé des idées. Peut-être que ça vous inspirera. Vous les avez déjà dans votre programme, on en parlera. Et puis, nous avons aussi Johan, un jeune service civique qui fait partie de la rédaction de Cité Radio, qui a aussi épluché un peu la presse nationale et qui euh, vous posera une petite question euh, à vous également. Alors, on va commencer déjà par euh, cette première découverte. De, de vous, Claude Bourdin. Alors, moi, j'ai fait quelques petites recherches. Déjà, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Donc, en fait, si vous avez bien 55 ans. Tout à fait. Ok. Vous êtes donc euh, cadre commercial, Ça. un peintre et un amoureux de la Loire. Oui. Enfin, je suis un amoureux de, de la culture, euh, la culture locale tourangelle, oui. évidemment, sous toutes ses formes toutes ces formes, parce que voilà, je, je suis pour la diversité culturelle, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et puis, vous avez donc occupé euh, des fonctions de maire sur Beaugency Non, pas du tout. Euh, j'ai été conseiller vous. municipal, ce n'est pas moi, c'est un autre bourdin. Euh, moi, j'ai été conseiller municipal dans une petite commune, une petite commune euh, à Souvigné, dans le nord ouest ah, euh, Tourangeau. Ah, et j'ai été élu euh, conseiller municipal euh, entre 2000, en 2008. Voilà, et j'avais une délégation aux pratiques culturelles et au patrimoine. D'accord, ok, très bien. Et donc, vous êtes militant insoumis Tout à fait. Et animateur du collectif de gauche Du collectif de gauche, oui, pour une transformation démocratique, sociale, écologique et féministe qui s'appelle C'est autour du peuple 2020. D'accord, très bien. Et donc, c'est en effet cette liste que vous avez baptisée C'est autour du peuple tout à fait, c'est Tour du Peuple 2020. Donc en fait, aujourd'hui, euh, on avait dans cette émission l'envie euh, déjà de vous laisser euh, vous dévoiler par un objet. Est-ce que vous l'avez euh, avec vous tout à fait, ouais. Voilà, c'est un, c'est un badge culture à tour, culture pour tous. Avec euh, de, dessus, il y, y a indiqué cinéof les, les cinémas studios et o et du bateau, ah. euh, puisque j'ai participé à cette grande aventure citoyenne. Je continue d'ailleurs euh, un peu moins maintenant parce que je, je suis très pris, mais quand même, je les soutiens toujours puisque c'est, c'est, je veux dire, et voilà, une initiative citoyenne euh, d'utopie réaliste. Oui. Dire. et ça montre l'exemple parce que voilà, du vous collectif. parlez de du collectif qui peut réussir, et là c'est un bel exemple de d'aventure citoyenne qui a réussi parce que on a réussi euh, depuis 2010 à créer un collectif de citoyens, à lancer des souscriptions, à créer une dynamique, et au final on a pu recueillir euh, 270 000 euros euh, de, de tous les citoyens tourangeaux, une des plus grandes souscriptions citoyennes de France, et ce qui a permis de créer euh, ce qui a permis de créer une société coopérative d'intérêt collectif et de, de racheter le bateau Yves et maintenant de pouvoir faire des travaux et de le pouvoir le réouvrir en avril-mai donc je, serai, vous, je, serai très, fait, je suis très, 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 très heureux que ça puisse se réaliser et ça montre l'exemple pour qu'il y ait d'autres initiatives parce qu'il y a d'autres initiatives citoyennes sur l'ensemble oui. du territoire et je pense que ça peut que les encourager à, à, à elles aussi à mener à bien leur, leur projet. Donc vous étiez euh, autant attaché comme vous, euh, vous tous hein, sur ce lieu point de départ et puis ensuite c'est le coopératif qui a fait aussi votre votre envie d'être aussi en soutien sur ce, cette, ce bateau ivre bah Déjà, en tant que citoyen, en tant que citoyen engagé pour, pour la diversité culturelle, je fait. pensais que c'était préférable, euh, comme d'autres, que, que ça reste un lieu culturel mmh. plutôt qu'un énième immeuble d'un promoteur immobilier parce On que est... malheureusement à Tours il y a beaucoup trop euh, de, de bétonnage et euh, d'immeubles qui fleurissent un peu partout euh, donc là je pense qu'on a plutôt besoin de se retrouver dans des lieux dans des lieux conviviaux des lieux de, où il y a de Sinon, la diversité culturelle de des lieux de création Hein, culturel et, et des lieux euh, d'échange, des lieux de vie quoi, euh, et de, 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 de diffusion euh, culturelle puisque là c'est un lieu qui va pouvoir accueillir à la fois du, du théâtre de la danse, de la musique ancienne de la et musique actuelle la de aussi la photo, locale. de la peinture euh, et donc ça sera vraiment un, un lieu qui sera vraiment euh, très très intéressant un, labo un laboratoire des arts et de la culture à Tours Tout à fait, donc en, ensuite c'est vrai que bah, je pense que vous allez être d'accord avec moi quand, quand on peut aimer et les autres, c'est parce qu'on on, on s'aime soi-même, ce point de départ, hein, pour donner et apporter. Alors, moi, la, ma, question, ma, pre, ma première question, c'est de savoir euh, bah, qu'est-ce que vous aimez chez vous Qu'est-ce qui est, en fait, aussi euh, quelque part euh, moteur et, et une qualité, peut-être, d'un futur maire Qu'est-ce qui. Qu Qu'est-ce que vous pourriez nous confier sur vous-même On va dire que je suis pugnace, c'est-à-dire que voilà que je, je je me décourage pas. Oui. Et, et, êtes, euh, et effectivement dans cette aventure déterminé. là de, de haut et du bateau, c'est le cas de beaucoup de, de, de ceux qui sont du, du collectif, hein, de, du collectif historique, on va dire. Ouais. On ne s'est jamais découragé alors que on a essayé. Il y a des gens qui ont, qui ont essayé de, de qui ont tenté de nous décourager et on s'est dit nous on va on va poursuivre cette aventure euh, citoyenne. Donc je pense qu'effectivement c'est la détermination, c'est la pugnacité et puis euh, l'envie de faire des choses pour les autres. Effectivement pour l'intérêt général. Oui. Euh, ça, c'est aussi euh, euh, important. Et, et puis, j'aime beaucoup ma ville. Donc, voilà, je suis, je suis amoureux aussi de, de la Loire. Euh, ah, on a et, eu et donc, euh, c'est vrai que c'est ça aussi qui me, qui me motive. D'accord. Et quand on parlait de, de pugnacité, donc c'est vrai que vous avez un parcours quand même très engagé depuis de longues années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu D'abord, moi, j'ai été un militant associatif et puis euh, un militant syndical. Sur quelle question, militant associatif Alors, pour aussi. justement, pour euh, c'était c'était dans le milieu rural, pour une association qui faisait du lien social et, cultu oui. et culturel. D'accord. Hein, déjà, c'est-à-dire qu'on voilà, on a on a mis en place, euh, on a aidé à mettre en place des conseils euh, municipaux pour les pour les pour les jeunes dans les petites communes rurales. Mmh. On a créé des centres de loisirs aussi dans des dans le nord-ouest tourangeau, euh, dans différentes euh, petites communes. D'accord. Euh, voilà, donc on a, on a essayé de créer du, du lien social et culturel en, en milieu rural, et là, il beaucoup il euh, y a beaucoup à faire. Parce que malheureusement, il n'y a pas les mêmes équipements qu'à qu Tours. Donc, c'était déjà une première et une première expérience. Et la jeunesse, c'est vraiment jeunesse. une clé euh, Tout à fait. aussi pour pour l'avenir. Hein, et puis après, j'ai été donc effectivement euh, délégué syndical. Et oui. puis euh, et puis en 2000, en 2000, euh, en 2002, malheureusement, euh, Jean-Marie Le Pen est, est arrivé au second tour, et ça a été pour moi un choc. Oui. Et c'est vrai que bon, je m'étais engagé déjà en politique dès 2001, mais ça ça m'a encouragé à poursuivre. Pour euh, défendre des idées, euh, mm. des idées plutôt progressistes euh, de gauche, euh, que plutôt que des, des idées de rejet. Euh, que sont celles du, du, du front national des, qui, sont, qui, qui défendent des, 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 des idées de, de, de xénophobie, de rejet de l'autre et ça, ça me, je trouvais pas que, que c'était pas une bonne chose, donc c'est pour ça aussi que je me suis engagé euh, politiquement. Très bien, écoutez, donc on va passer maintenant en fait à nos euh, tourangeaux, nos tourangeais et tourangeaux. Alors là, excusez-moi, la jante féminine. Donc euh, qui en fait se sont euh, un peu livrés euh, et euh, sont imaginés eh bien, euh, en tant que maire. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire Donc on va les Bonjour Patrick. Bonjour Yohan. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de rénover une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au maire, au futur maire Tourangeau, sur le logement J'aurais envie de lui demander de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, et le paquet, sur la rénovation des maisons existantes les copropriétés existantes aussi. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on le sait, euh, euh, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, euh, pas que euh, pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu euh, de limiter la précarité énergétique, on le sait tous, des pâtoirs thermiques. Ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur, sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi, et c'est de l'emploi ici surtout. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'Association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, euh, on est ici pour parler des, des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique euh, Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent. Plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées, parce que euh, à mon avis, ce n'est pas le cas. C'est pour euh, peut-être euh, faire. Euh, permettent aux gens de se dire ben, on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra mais elles ne sont pas forcément branchées ou, ou exploitées. Ça c'est clair. Bonjour Simon, Bonjour. Donc, tu es étudiant et euh, président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. Est-ce est que tu... On est là pour parler du municipal. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi bah déjà, le premier point que j'aborderais, c'est Fil Bleu, puisque ça dépend de la métropole et de la municipalité. Euh, L'un des défauts qu'on a avec Fil Bleu, c'est qu'aujourd'hui, euh, il propose un tarif étudiant, qui est déjà un peu élevé à mon avis, et euh, surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça, plutôt de l'âge, puisque si on a plus de si on est étudiant et qu'on a plus de 27, 25 ans, euh, on peut pas avoir le, le tarif. Ensuite, ce que je ferai, c'est augmenter aussi la fréquence des bus dans le, vers l'extérieur de la métropole, ce qui sont très limités. Et je proposerai aussi un, des, un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre euh, aient besoin de marcher euh, parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre euh, l'extérieur de, de la ville ou leur, leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais euh, maire à la place de M. Boucher actuellement Alors compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais euh, effectivement peut-être euh, peut avoir un développement euh, et une communication plus importante. Euh, au niveau des commerçants euh, un développement alors c'est vrai que les commerces en centre ville ont perdent du flux c'est ce qu'on remarque mais effectivement on, on s'aperçoit quand même que les français ont un attachement fort pour leur centre ville euh, donc effectivement avoir un équilibre entre les zones périphériques commercial qui s'installe à l'extérieur des centres-villes, euh, avoir un équilibre pour ne pas perdre cette euh, ce flux de consommateurs dans les centres-villes, mettre en place effectivement quelque chose, une proposition, un équilibre entre les les piétons, l'automobile et, euh, et les transports en commun. Tout à fait. Bah C'est des sujets qui sont très importants. Euh, je commencerai donc par la, la rénovation thermique et, et phonique des bâtiments existants. Oui. À la fois public et privé. Je pense qu'il y a, a c'est un chantier qui est très important mmh. et ça a effectivement des, des effets sur, comme vous l'avez dit, sociaux, euh, économiques, écologiques, pour réduire les factures pour les, les personnes au niveau du, du chauffage notamment, euh, et puis et aussi pour l'accessibilité parce que malheureusement il y a beaucoup de bâtiments aujourd'hui qui ne sont pas aux normes d'accessibilité pour les personnes en situation aussi de, de handicap. Donc plutôt que de détruire des immeubles, nous on a dit qu'il faut, et notamment c'est le cas là, malheureusement au Sanitas mmh. où ils veulent faire des, des logements de plus haut standing, ils veulent faire de l'affairisme urbanistique, eh bien nous, on dit qu'il faut plutôt euh, rénover les bâtiments exi existants. Euh, et, puis, euh, et puis en même temps, euh, sur le logement, il y a une chose importante, c'est quand même, euh, il, y a, il y a des personnes qui sont dans la rue. Euh, toutes, il y a à peu près en moyenne 80 personnes qui sont dans, dans, dans la rue euh, euh, toutes les nuits. Et donc, euh, nous, on, pro, on, on souhaite qu'il y ait zéro personne à la rue. Donc, euh, il y a 8400 logements vides euh, à Tours. Et eh bien, donc ça veut dire que s'il y a une volonté politique, il y a des solutions. Et, euh, et là, il y a les solutions pour loger ces, ces, ces 80 personnes. Donc, ça sera une des premières mesures qu'on va prendre, d'ailleurs, pour, pour trouver un toit, à, un toit à tout le monde, parce que c'est un droit pour tout le monde. Et donc, bien. voilà, sur, mm -hmm. euh, pour, le, pour la sécurité, effectivement, euh, il, faut, il y a des choses à, à faire. Nous, on est pour la sécurité, mais pas pour le tout sécuritaire. Donc, il euh, faut savoir que nous, on ne pense pas que le, les, les caméras vont, vont résoudre les problèmes. On pense qu'il faut plutôt euh, remettre de l'humain de l'humain dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut une police de proximité, voilà, avec plus de, de policiers qui soient en proximité avec les habitants. On pense qu'il faut des, Alors, parle, des médiateurs parlait, de, euh, de rue. Excusez-moi de vous interrompre, mais cette dame parlait de la brigade verte euh, oui, qu'elle n'avait jamais vue. Est-ce que vous pouvez en parler, est-ce que ça rejoint ce que vous parliez de la police de proximité Oui bien sûr, une brigade verte, mais aussi des policiers de proximité mmh. qui sont là aussi au service des habitants euh, pour que voilà il y ait plus de sécurité. Euh, plus, on ne peut pas faire du, du tout euh, du tout numérique ou tout euh, euh, caméra. Euh, il faut d'abord remettre de l'humain dans ces quartiers, mmh. des gardiens d'immeuble aussi. Avant il y avait des gardiens d'immeubles qui avaient un, un rôle de médiateur euh, entre mmh. les gens d'un de, 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 de même immeuble et qui pouvaient aussi contribuer à une certaine sécurité. Oui, oui, oui. Et, et tout ça, petit à petit, on a fait disparaître l'humain de ces de de immeubles, de ces résidences. Donc il faut, il faut vraiment remettre de, de l'humain. Euh, pour après, euh, bon alors c'est vrai qu'il a été après évoqué des sujets sur les transports. Euh, oui, les transports. alors pour les étudiants qui en effet euh, là se trouvent euh, passés 25 ans alors qu'ils sont encore dans leurs études, se trouvent avec mmh. des tarifs euh, qui ne correspondent pas à leur portefeuille. Qu'est-ce que vous sur ce sujet par exemple Alors déjà nous sur les transports, on est pour une politique globale des transports, mmh. c'est-à-dire qu'il faut favoriser d'abord tous les modes alternatifs à la voiture, à savoir la marche à pied, mmh. le, le vélo. Et puis euh, les transports en commun. Et nous, pour les transports en commun, on, on souhaite mettre en place la gratuité totale des transports en commun. Comme dans 35 villes en France. Donc ça, c'est faisable. Voilà, c est c est faisable. Il y a 35 utopique. villes qui, qui l'ont fait, et puis euh, il y a beaucoup de villes en, en, en Europe, en Italie, en, en Allemagne, des grandes villes maintenant qui mettent en place cette gratuité totale des, des transports publics. Mm -hmm. C'est aussi des effets sur, euh, sur l'écologie. Ce sera une, une ville qui sera beaucoup plus respirable, avec moins de pollution. Et puis les gens pourront se déplacer facilement, les étudiants comme les, plus, les, les personnes plus âgées, euh, sur l'ensemble du territoire de la métropole pour faire des, des activités culturelles, mm -hmm. sportives. Voilà. Et pour aller au travail. Et bien sûr, comme il l'a dit très justement, il faut améliorer aussi le service. Euh, la fréquence des bus, c'est-à-dire oui. qu'il faut une fréquence, une meilleure fréquence sur et des lignes peut-être créer des des lignes euh, en complément de celles qui sont existantes. Comme à Montpellier, je sais service, pas si tout vous à connaissez. Euh, oui, oui. À et le service très de très nuit, c'est une très, c'est une très bonne idée oui. aussi. Effectivement, faut améliorer le service. avant, la, avant de faire la gratuité, il faut d'abord améliorer le service. Et puis euh, nous, on ne fera pas deuxième et troisième ligne de, de, de tramway avec ces tour du Pape 2020, mais on mettra en place des trambus à l'hydrogène mm -hmm. qui sont en voie, en voie dédiée, réservée, qui sont euh, cinq fois moins cher qu'un tramway euh, parce que le tramway c'est très coûteux il y a je sais qu'il y a un peu un lobby le lobby du tramway actuellement on va imposer le tramway partout autant Alors il y avait une fait, première ligne euh... qui était indispensable mais là nous on pense que euh, si ça va être trop cher en plus ça va être 500 millions d'euros par ligne ça veut dire que ça va faire deuxième ligne 500 millions troisième ligne 500 mmh. millions ça veut dire un milliard la Cour des comptes a indiqué, la Cour régionale des comptes, qu'on n'avait pas les moyens, la métropole, de financer un milliard pour ces deux, ces deux, ces deux, ces deux lignes. Donc euh, il y a des solutions. Oui. Il y a des solutions, effectivement, pour améliorer le, les transports, mais il faut une politique globale et oui. puis bien sûr aussi des réseaux express à vélo euh, pour pouvoir euh, se déplacer rapidement d'un lieu à, à l'autre à vélo pour que la voiture petit à petit il euh, y ait moins de voitures en ville et au niveau de la, la métropole avec des parkings que... des parkings relais en périphérie de, euh, de la métropole de, de, de la ville et qui soient gratuits. les gens prendraient le bus euh, qui sera gratuit et arriveront en centre ville et ça rejoint la, le, le dernier point que voilà il y a une commerçante qui oui. parlait d'attractivité du centre ville et eh bien avec les transports en commun gratuits notamment vous allez, on va retrouver de l'attractivité pour la ville de Tours c'est-à-dire qu'il y aura plus de fréquentation contrebalance avec le fréqu... stationnement voilà. parce que c'est vrai que là, il y a vraiment une problématique Tout à fait. trop chère. Voilà. Et nous, surtout, ce qu'on veut faire avec le stationnement, c'est qu'on veut remettre en régie publique le stationnement qui aujourd'hui a été délégué au privé. Et le privé, la société SAGS, fait de l'argent fait de l'argent, euh, fait du chiffre, et donc euh, ça leur rapporte 600 000 euros euh, par an. Euh, donc nous, on va re remettre en régie euh, publique municipale mm -hmm. les, les, les euh, le stationnement. Donc voilà, une ville plus attractive parce qu'il y aura plus de, de personnes qui vont euh, qui vont venir en ville et euh, aller dans les commerces parce que nous on veut défendre aussi le petit commerce et l'artisanat plutôt que les gens aillent en périphérie euh, de tour centres. dans les grands centres <laughs> commerciaux où c'est vrai c'est le parking est gratuit. Mais euh, voilà donc euh, on pense que c'est préférable de défendre Le petit commerce et l'artisanat, et eh bien écoutez, ça introduit très bien. En eff... Johan qui va euh, là euh, en effet vous parler euh, euh, bah, du, de la dette hein, de la ville de Tours et qui aujourd'hui est au rang de bah, du 18e classe, euh, donc sur 20 villes les plus endettées avec 2880 euros de dette par habitant. Euh, C'est un classement de l'IFRAP et euh, en fait, tout à fait, quand vous parlez de, de vos actions, de, de, des projections que vous avez, il y a quand même cette question budgétaire. Alors, on va écouter Johan. Bonsoir, messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive En effet, comme disait justement Johan, comment allez-vous gérer cette dette tout en continuant à rendre bah, Tours attractif ben D'abord, je pense qu'il faut faire un, un audit des finances locales, mmh. c'est-à-dire que nous, on fera un audit euh, citoyen des finances locales, parce que pour avoir une vraie, la, la vraie situation aujourd'hui euh, de, de, cette, de, de cette dette, maintenant, il ne faut pas non plus se focaliser sur la dette. Hein. C'est-à-dire que bon, la dette, elle, elle, elle se rembourse petit à petit. Et puis, euh, surtout, bah, dans ce cas-là, il faut aussi euh, euh, certains projets, certains grands projets, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui, on dépense de l'argent public dans des grands projets urbanistiques, hein. vous, voyez, vous voyez celui du, du haut de la rue Nationale, mmh. euh, celui de, de, au sud des Halles, où on veut faire essentiellement de l'affairé urbanistique, c'est-à-dire faire de l'argent pour, de pour des, des promoteurs et des aménageurs. Donc à chaque fois, il y a de l'argent public hein, dans, dans cette affaire-là. Donc d'où euh, on arrêtera ce genre de projet, bien évidemment. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fera pas une deuxième ligne et une troisième ligne de tramway très coûteuses. Que euh, le, et donc le là, le chantier, pardon, excusez-moi, rue nationale, c'est-à-dire vous voulez le transformer bon, autrement ou Maintenant, bah c'est malheureusement, ben, c'est euh, bah lancé, donc ça va être compliqué de d'arrêter ça. Mais par contre, celui, celui de euh, du des halles, je pense qu'il faut vraiment que ça soit au service des commerçants euh, des halles, mais euh, pas pas en faire un projet urbanistique mmh. voilà avec des logements de, de standing et puis euh, on arrêtera deux, euh, les subventions à Rainer, mmh. qui est une entreprise voyou euh, qui a été plusieurs fois condamnée on arrêtera les, 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 les subventions aussi au festival du cirque parce que voilà il y a de la maltraitance animale on arrêtera les les fêtes cultuelles de la Saint de la Saint Martin parce que voilà on pense que c'est voilà c'est pas c'est pas l'argent public qui doit servir pour ces pour ces fêtes là donc voilà on a il y, y a quand même des il y, 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 y a des de marges il de y a des marges de manœuvre et puis les, euh, voilà parce que nous on, on, quelquefois on, on peut nous on peut nous faire ce ce, 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 ce ce reproche mais nous on trouve voilà on dit qu'il voilà il y a des solutions quand même c'est-à-dire qu'on a on fera pas non plus le on fera pas non plus euh, le bouclage du, du périphérique qui coûterait 370 millions d'euros, mmh. 370 millions d'euros à la métropole. Eh bien, nous, on pense que c'est pas une priorité. On pense qu'il vaut mieux, euh, il faut mieux, privilégier les transports en commun, euh, avec la gratuité totale des transports euh, publics, avec l'amélioration du, du, du service, les voies express à vélo, voilà. donc, il euh, donc, euh, y a des choix. Voilà, faire Tout de la politique, c'est faire des choix. Eh bien, écoutez, on va aller encore plus loin euh, aussi dans, dans, dans les idées que vous, que vous portez avec euh, votre collectif. Vous avez de ce côté des publics, de, de l'autre de, bah, des items. À, à vous de prendre au hasard. Peu importe les deux. Euh, voilà, euh, un de chaque. Un et un autre, là. <laughs> Hop là, j'en prends même deux, oui. Alors... Je dévoile ça. Démocratie participative. Nous, c'est un axe majeur de notre programme. Je veux dire que c'est l'épine oui. dorsale de notre programme, euh, la démocratie. Euh, puisque nous, on veut, on veut rendre possible euh, la, la, la prise de pouvoir par les citoyens. Mmh. Nous, hein, le nom de C'est autour du peuple. Mmh. Et donc, euh, pour ça, on va, nous, euh, on, on va proposer que, tous les, que les citoyens soient dans toutes les commissions municipales et métropolitaine parce que euh, voilà c'est possible et c'est même souhaitable et tous les lieux de la décision politique il doit y avoir des citoyens pour participer à la prise de décision mais aussi pour contrôler les élus voilà Donc, et il faudra que les élus acceptent de perdent un peu de leur pouvoir, mm -hmm. au profit des citoyens, il y, y a une intelligence collective, donc y, voilà, il faut, il faut que ça soit utile, et puis en plus de ça, nous ce qu'on souhaite, c'est que pour des grands projets, mm -hmm. on puisse faire, euh, proposer des, des, des référendums d'initiatives citoyennes, c'est que les citoyens pourront euh, proposer un, un référendum, c'est-à-dire sur une sur un sujet particulier, des très grands projets hein, c'est pas sur toutes les décisions, hein, bien sûr, mais euh, voilà, 2% de la, la, de la population euh, pourra se saisir d'un sujet, dire voilà, nous on, on fait fait une pétition sur telle, on veut telle chose, ça sera soumis au conseil municipal, si le conseil municipal n'est ne, pas d'accord, mmh. ça sera soumis au vote de l'ensemble des citoyens, pareil des Alors, référendums le d'initiative municipaux et, et métropolitains où là ça sera les élus mmh. qui mettront au vote au vote citoyen, passez... des genres de votation citoyenne, hein, comme comme en Suisse oui. notamment sur des très grands projets vous passez par les associations, par le numérique, pour mettre en place cette démocratie participative, les deux. Comment Tout, vous allez en faire Tous fait les euh... outils sont, sont bons. Nous, on créera euh, une, maison, une maison du peuple, une maison du peuple qui sera en lien avec les huit conseils citoyens et les, et, les conseils de, et les conseils de quartier. Mmh. Ça sera un lieu de débat. Et puis nous, on rendra public, avec cette tour du peuple, euh, toutes les études qui sont réalisées par la métropole et par la ville. Vous euh, voyez, il y a une étude là sur les, sur les arbres du, du maille Béranger-Horteloup qui mmh. a été occultée euh, dans la prise de décision pour le, tra le tracé euh, mmh. du tramway. Nous, on a rendu public pour que tout le monde puisse. Et après, il y aurait eu un débat. Un débat sur voilà quel, quel mode de transport pour demain, est-ce que c'est un tramway, est-ce que c'est un tram bus à hydrogène Et à ce moment-là, il y aura ce grand débat avec toutes ces études et ensuite, il y aura un vote citoyen. Donc nous, c'est comme ça qu'on qu voit la, la démocratie euh, parce bien. que je pense, malheureusement, les, les citoyens ont trop longtemps été dépossédés euh, de, leur, de, leur, de leur ville et du pouvoir de, de décider. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, c'est pas uniquement à Tours. Hein, c'est vraiment généralisé. Mmh. On a envie d'être entendu. Et donc, maintenant, je vous invite à la deuxième. Alors, euh, donc là, les commerçants. Les commerçants. Ben oui, c'est on s'en so est peu parlé. Évoqué ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que on, malheureusement, il y, des, il y a des quartiers de Tours où il n'y a plus de commerçants et il n'y a plus de services publics. Mmh. Je dirais que les, les deux sont liés. C'est-à-dire que euh, si vous voulez une vie de quartier, il faut qu'il y ait euh, à la fois des commerçants, des artisans. Euh, des services publics et puis je dirais des associations. On a la chance à Tours d'avoir 2800 associations, c'est une richesse mmh. et donc euh, il faut euh, voilà qu'il y ait une vraie, des, des vraies vies de, de, de quartier oui. donc maintenant même en centre-ville il y a des difficultés, vous voyez, à, à, par exemple au Sanitas, au Sanitas, mmh. il y a de moins en moins de, de commerçants, moins en moins de services publics, mais aussi euh, aux fontaines. On, voilà, il y a aussi dans ce quartier-là euh, des manques euh, en, en commerce, en, en artisanat et puis et puis en, en services publics. Donc euh, il y a beaucoup à faire. Je vous remercie pour ce qui concerne la dernière minute hein, de cette émission, qui est donc une minute pour convaincre. Alors c'est surtout pour vous donner peut-être le moyen de dire une dernière chose, en fait, à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous laisse vous lancer. Ben écoutez, <laughs> moi, déjà, je, je dois dire que ben, je vous remercie déjà pour l'invitation. C'est très, très, très intéressant de pouvoir avoir cet, cet échange aussi avec des, des habitants. Et, et donc, moi, j'encourage tous les, tous les habitants de tous les quartiers déjà à aller voter. C'est une chose très importante parce que voilà, il faut participer à la vie locale, il faut aussi que les citoyens prennent en main leur, leur, leur destin, qu'ils voilà, qu soient participatifs, comme on le disait tout à l'heure, mmh. et que... Bon, alors il y a l'élection, bien évidemment, mais il y a après l'élection. Et donc, euh, nous, c'est pour ça que nous, on propose une dé démocratie permanente, on va dire, euh, que les citoyens s'engagent, mais dans la durée aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est important qu'ils puissent participer à ces futures commissions municipales et métropolitaines, mmh. euh, qu'ils puissent voilà, proposer des référendums. Euh, et puis, ça, c'est une chose très importante. Et puis, au Mans, euh, bien évidemment, parce que nous, on propose une, 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 vraie, une vraie politique de gauche pour une transformation démocratique, sociale et écologique, sans conflit d'intérêt aussi. On, on s'engage à ce qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt et puis régulièrement à, à rendre compte de, de ce qu'on qu peut faire avec les, avec les, avec les citoyens pour y ait personne à la rue, ça c'est pour nous un, un objectif prioritaire. Donc faut faut aussi aider toutes les associations qui interviennent pour euh, héberger euh, les migrants et les personnes qui sont dans qui sont dans la rue, ça c'est une chose très importante, aider le, le milieu associatif parce que là 2800 associations qui sont pas assez aidées. Nous il y aura des salles qui seront euh, mises à disposition avec une vraie maison des associations, du matériel qui sera mis à disposition des associations. Et puis il faut une vraie politique écologique finalement avec c'est vrai avec c'est une priorité aussi, un plan climat au niveau de la métropole et de mmh. la ville de Tours, rénovation des bâtiments euh, publics, les énergies renouvelables à développer, bien évidemment, et les pratiques alternatives à la voiture pour que ça soit une ville euh, qui soit plus agréable et puis dans le domaine culturel, bien évidemment, encourager comme je l'ai dit tout à l'heure la diversité culturelle, toutes initi les initiatives citoyennes doivent être encouragées et non pas découragées euh, parce que voilà, l'utopie euh, réaliste c'est possible, donc il faut euh, il faut faire il faut qu'on ait une ville beaucoup plus euh, attractive dans tous les domaines, que ça soit euh, culturel que ce soit pour le commerce, pour l'artisanat, pour le milieu associatif. Euh, donc on est euh, vraiment une ville qui donne qui donne envie d'y habiter et de eh participer à, à, la, à la vie locale. Bah écoutez, merci Claude Bourdin, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y, y a un engagement fort, il y a de la passion, de la spontanéité, c'est ce que nous, on souhaitait. Et je pense que là, vous avez bien pu voir en effet ce qui, ce qui ressort de fort dans, dans votre collectif et votre programme. Et bah écoutez, moi, je vous dis à très vite. Hein. Euh, je vous remercie d'être... Bah, avec nous, encore une fois, je vous remercie Guillaume et Bruno à la technique ainsi qu'Johan de la rédaction de Cité Radio qui, a donc, euh, qui ont tous travaillé avec, avec moi pour la préparation de cette émission. A bientôt